Bonjour et bienvenue à l'atelier du Jardin de papier. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable parce que j'attends ma commande de Noël. C'est la commande que je préfère de l'année. Donc, je vous présente aujourd'hui les nouveautés. Donc, évidemment, voici mon catalogue que Stampin' Up! M'a envoyé dans ma boîte. Je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer rapidement les produits. Donc, le nouveau papier, du beau papier de Noël, en fait, c'est le papier qui est disponible dans le catalogue annuel et qui s'appelle « Spécialité pour Noël ». Donc, super beau papier avec des couleurs magnifiques. Ici, j'ai acheté les feuilles de cuivre qui sont disponibles dans le catalogue de Noël. Donc, c'est également une nouveauté. Un jeu d'étampes que j'ai vraiment tout de suite, j'ai eu le coup de cœur. Donc, les souris de Noël, différentes petites souris avec des beaux petits messages pour faire vos cartes. J'ai sélectionné la perforatrice pour réaliser des petits chapeaux de Père Noël. Donc, toutes sortes de choses que je vais pouvoir utiliser, notamment avec en porte-pièce de Noël, qui est également offert avec la perforatrice qui est ici, pardon. Donc, ça vous permet de découper des petits bonhommes, des rennes, des petits oursons, des bonhommes en pain d'épices. Et je me suis dit que ça serait super de pouvoir leur faire un petit chapeau en trois dimensions. J'ai sélectionné différentes choses, notamment des jolies ficelles qui vont me permettre de faire des emballages, décorer mes cartes, faire toutes sortes de choses pour le temps des fêtes. Je suis toute énervée. Là, j'ai choisi le jeu d'étampes sapin de Noël pour pouvoir faire des petites cocottes, donc des pommes de pain. Cocottes pour les Québécois, pommes de pain pour les Français. Donc, ça me permet aussi d'avoir un beau plioir pour embosser avec des branches de pain. Et je sais que j'ai sélectionné aussi, j'ai acheté les branches et pommes de pin. Donc, ça va me permettre de découper les petites branches de pin et de faire des montages en trois dimensions. Ici, la poudre embossée cuivre, qui est une nouveauté. Donc, ça, combiné avec le fil métallisé cuivre et le papier cuivré, ça va être génial. Des nouveaux pochoirs décoratifs de saison. Vous savez que j'aime les pochoirs. Pour le mix média, c'est génial. Pour faire des fonds de cartes aussi. Donc ça, je vais pouvoir vous donner des vidéos, des trucs pour utiliser les pochoirs. C'est super. Un autre coup de cœur, évidemment, c'est Doux Foyer qui vous permet de réaliser toutes sortes de petites maisons. Donc, je vais faire des maisons pour l'Halloween, des maisons des imitations de maisons en pain d'épices. Donc, il y a les Framelits qui viennent avec, mais j'ai déjà toutes sortes d'idées pour réaliser des décorations et des emballages pour les fêtes. Et sans oublier le traîneau de Noël, ça a été aussi un de mes gros coups de cœur. Donc, les Framelits pour faire le traîneau, le jeu des temps pour le décorer, les cadeaux, etc. Super, on va s'amuser. Pour finir, évidemment, j'ai commandé le Wick of Stella transparent. Il m'en restait presque plus. Donc, c'est un pinceau à paillettes. Donc, c'est clair, c'est transparent. Ça vous met des petites paillettes liquides un peu partout. On aime ça. Et aussi, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir devant vous. J'ai commandé les fameuses petites clochettes. Donc, on a des super belles petites clochettes qui sont rouges, qui sont argent, ça va être super sur les décorations et sur les petites maisons que je vais créer. Donc voilà, je viens de vous présenter ma commande, je l'ai ouverte devant vous, je n'avais même pas commencé à fouiller, tout tombe, je suis trop énervée et voilà, donc c'était mes nouveautés du catalogue des fêtes.
toutes mes clientes canadiennes qui sont des clientes régulières vont recevoir bientôt le catalogue des fêtes à la maison. Donc, il va être disponible à compter du 1er septembre 2016 et vous allez pouvoir tout de suite commander, passer des commandes, me contacter, etc. On va faire des ateliers, ça va être génial. Donc, c'est un rendez-vous sur Jardin de Papier. Merci de votre visite et à bientôt.